Seriage, c'est les gars Seriage, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti pour jouer la team future des 2 ans, la team future qui a été déjouée il y a un peu plus d'un an de ça avec VB Bleu, Vegeta Blue Violet et Goku Blue Rouge. C'était mon trio favori, je sais pas si vous avez aimé également ce moment, il y en a beaucoup qui ont détesté, en fait c'était plutôt mitigé hein. On avait des gens qui détestaient cette team là et il y avait des gens qui kiffaient la jouer. Moi je faisais partie des gens qui kiffaient Vegeto et puis qui ont passé un très bon moment, même si pour certains c'était très relou. Voilà, voilà, en tout cas on est parti pour les hostilités, on va rejouer du coup notre trio d'antan avec du coup des KamZ Zenkai, hein, bien sûr pour redonner un petit coup de neuf à la team, hein. Une KamZ Zenkai pour chacun, comme ça pas de jaloux, VB Bleu sur KamZ Zenkai, Vegeta Blue Violet, Goku Blue Rouge sont chacun boostés par la KamZ Zenkai des persos en dessous que vous pouvez voir. On est parti pour jouer tout ça, en tout cas j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner des idées de showcase comme d'habitude, je lis vos coms, et puis surtout à me dire si vous kiffez tout ça. Vous pouvez toujours vous abonner pour ne pas manquer les prochaines aventures et laisser cliquer cette vidéo à la fin, bien évidemment, si celle-ci vous a plu. En tout cas on est parti pour jouer tout ça, et puis franchement vous allez voir, hein, ça a beau dater, ça a beau être une team qui n'est plus jouée du tout, c'est toujours fort, c'est toujours fort. Et celui qui va vous choquer tout particulièrement, c'est Goku Blue Rouge et VB. Ce sont les deux qui vont vous choquer surtout. Je t'avoue que Violet, on le connaît, il est toujours jouable maintenant. Mais c'est surtout les deux persos, Goku Blue Rouge et VB, qui vont vous choquer. En tout cas, on est parti tout de suite. C'était kiffant, j'ai adoré jouer ce showcase. Et puis, la passion cosmique en avant, c'est parti. Team avec Goku Kakarot pour commencer avec notre team future des 2 ans. On va donc partir du coup ici. Pourquoi pas sur Vegeta Blue Violet hein, pour commencer, malgré qu'on sache pertinemment qu'il va prendre du coup le number one juste pour pouvoir avoir un switch et récupérer du ki par exemple. Et du coup, on se retrouve in-game. Allez, c'est immédiatement parti avec notre Vegeta Blue Violet. On est face à Goku SJ4, hein, donc c'est pas si dégueu hein, comme décision d'avoir commencé avec Vegeta Blue Violet. Et là, ça va partir tranquillement. Alors, on va mettre des dégâts qui vont être corrects, hein, mais c'est surtout là qu'il va falloir faire la diff avec VB. Après, VB, comme je vous l'ai dit, vraiment par contre, la team future, regardez, quand vous avez des étoiles, KamZ Zenkai. Bah évidemment on prend pas grand chose hein, franchement Goku la mec il est pas transformé encore. C'est vraiment plutôt gentil même ce qu'il nous a mis, il nous a quasi rien mis. Et on parle quand même d'unité qui date depuis plus d'un an déjà hein. Plus d'un an. Donc ça rigole pas du tout. Ça va partir tranquillement. La petite tempo parfaite ici. Into mine de Goku Blue Rouge. Et là par contre on a moyen de le détruire le Vegeta. Oh là là, le strike midlife de Goku Blue Rouge. Magnifique. Magnifique ici, c'est incroyable. Oh la strike qui vient faire la diff. Et regardez les dégâts de VB bleu. Je veux dire qu'on ait des cartes vertes ou pas, on l'aurait détruit Goku et CG4. Mais là, waouh, oh là là. Tournant de la game. Tournant de la game, pourquoi? Parce que Goku Blue Rouge a mis trop de pression. En fait il y a eu trop de pression sur Vegeta. Et il a switch du coup sur Goku et CG4. Il me donne Goku et CG4 gratuitement au Rising Rush, il le jette en pâture. Et c'est ça qui va nous faire gagner la game, si on la gagne bien sûr. Mais ça c'est le move qu'il fallait pas faire. Et là Goku Blue Rouge qui a fait paniquer l'adversaire avec des tartes de l'espace, hein, faut le dire hein. Strike midlife, il était obligé de switch. Il avait pas le choix. Et là bah c'est, vous avez vu ce qui est en train de retourner cette game. C'est le fait que Goku et CG4 sont morts dès le début. Là on a beaucoup trop d'avance. On va prendre beaucoup de PV sur le Goku Namek. Alors il va quand même se heal hein, à la fin. Parce qu'il va le laisser évidemment à la fin hein. Il va tuer number one au choix. Mais on va déjà bien taper sur le perso en termes de grattage de PV. Oui, il va se heal. Mais non. Parce que Goku Blue Rouge a son mais. Ça c'est encore plus fort. Mais bon, je l'ai pas mentionné en plus. Hein. Magnifique. Magnifique Goku Blue Rouge. Tarte de l'espace. Même sur du neutre. Hein. Triangle 0. Voilà, on n'a pas chopé la carte que je voulais par contre. Ça c'est dommage. C'est dommage ici. On n'a pas chopé la carte. Mais Goku Blue Rouge, tiens, hein. Sur du neutre, ça va, number one, t'as pas très fort. On met Vegeta Blue Violet, hein, par contre, si on prend un RR, ça c'est clair et net. Voilà, le RR qui vient. On met Vegeta Blue Violet. Pourquoi Vegeta Blue Violet? Pour ceux qui ne se souviendraient pas, par hasard, c'est toujours bon. Un petit coup de rafraîchissement, on va dire, de mémoire. C'est que Vegeta, bien évidemment, fait perdre des boules de cristal sur, du coup, sa mort. Et il les allie, en plus, tout en leur donnant un buff de dégâts. Donc bon, on est plutôt Gucci. Plutôt Gucci ici. Je me suis précipité, mais après il avait plus d'esquive de toute manière, hein, il avait tout dépensé. Par contre, là c'est le moment compliqué. Le moment où il va pas falloir non plus trop de choke avec VB sur Goku Namek. Hein. Il a pas son Rising Rush, on va essayer de le mettre ici. Parfait, et je pense qu'il tue en vrai. C'est possible qu'il tue, mais je sais pas s'il l'est fait. Ah, il les fait pas. Il les fait pas du tout même. Goku Namek très solide en face. Alors par contre, ouais. J'allais dire par contre, il y a deux options.
C'est soit on le terminait, soit on lui mettait une carte verte aussi et c'était terminé. En tout cas, magnifique première game, on a vu la puissance de toute la team. Que ce soit au niveau du main de Vegeta Blue Violet qui fait revenir Goku Blue Rouge plus vite et tout. Que ce soit Goku Blue Rouge en lui-même avec une énorme pression sur le Vegeta Number One qui lui force littéralement à switch en quelques secondes sur Goku SJ4. Vu la strike midlife et ça fait l'erreur de la game, il donne Goku SJ4 qu'il aurait dû plutôt garder. Et puis si Number One était mort, bah ça aurait pu se tourner, ça aurait pu être un peu plus compliqué bien sûr parce que Goku SJ4 c'est pas Number One quoi. Donc bon, en tout cas très belle game, VB Blue aussi qui fait son taf, hein, rien à dire. Bref, game ultra clean, on se retrouve pour la prochaine immédiatement. Team Movie en face de nous pour pouvoir du coup tester notre puissance de feu et notre team tout court en futur. Ça va être plutôt compliqué quand même, on va pas se mentir parce que du coup s'il prend, en fait faudrait prier pour qu'il prenne pas Broly-Vert, ce serait le pire adversaire à affronter. Puisque Vegeta Blue Violet t'as pas si fort que ça, hein. Ça va faire mal mais ça va pas non plus le détruire le Broly. Et c'est surtout en plus ce qui va nous poser problème, c'est le Goku A. Donc bon, faudrait qu'il prenne le trio Goku A en vrai, Bojack et puis Gohan. Ou alors Goku A, Bojack et puis Gogeta Blue, peut-être, on sait jamais, on se retrouve in-game de toute façon pour avoir la réponse. C'est parti. Allez, ça va donc partir sur Gogeta Blue en face, hein. Match-up contre Gogeta. Ouh là 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 là, le pas de côté que j'ai entendu. Ouh là là, il est quasiment, hein. Ah, mais Goku Blue Rouge qui fait déjà un kill. On est à 5 secondes de jeu, 5-6. Mais c'est pas possible. Goku Blue Rouge, juste Goku Blue Rouge en fait. Juste Goku Blue Rouge. Alors ça lague un petit peu, par contre ça se ressent. C'est pas très ouf. Allez, quand je vois Mikikoa par exemple. Mais waouh. On va esquiver ici. Ok, par contre, voilà, single tap, je sais pas comment je vais pouvoir les voir les prochaines. Mais ça va être très compliqué, en plus il joue bien, hein. Ça va être très dur à jouer vu qu'il lag. Kikora. Et puis, déjà le Rising Rush, oula. Rising Rush très rapide en face, hein, par contre. Mais Vegeta Blue Violet, j'aurais peut-être dû même donner Goku Blue Rouge. Hein. Goku Blue Rouge a fait son taf, hein. Il a des pop Gogeta Blue en quelques secondes. Ah, ce Rising Rush là qui vient en quelques secondes le rattraper, c'est très étrange, mais bon. C'est pas grave du tout, hein. C'est pas non plus la fin du match, hein. On est très loin d'avoir perdu. Mais ça remet par contre largement le match-up de manière plus équilibrée, disons. Oh, mais... VB bleu, y a vraiment un problème dans la team. VB bleu, t'as beaucoup trop fort. C'est problématique pour lui, hein, pas pour moi. Mais VB bleu, là par contre, faut qu'on en parle du massacre qu'il est en train de nous faire. VB bleu va nous faire un 1v3, je pense. Alors on va partir sur le team, hein, ici. Pour but de sécher cette première barre. Et je pense qu'elle tombe tranquille. Même avec l'effet de combo, ça devrait tomber. Et puis en le faisant tomber en plus de ça, enfin là faisant tomber plutôt, on aura la possibilité de Rising Rush Gohan. Donc ça c'est pas mal. Voilà, on le tue tranquille. Mais un bon gros combo. Et par contre il va falloir faire attention à Goku Blue Rouge, hein. Goku Blue Rouge peut mourir en quelques secondes, hein, face à Goku. Je pense qu'il se fait one speed sans l'ombre d'un doute. Alors le main. Ou alors par contre si on le Rising Rush le Gohan, on est trop bien. On est trop bien, à part si c'est une spé. Ouais non, c'est pas une spé heureusement. On est trop bien, non on est pas bien. Non, on a que des strikes. Bon, on va le mettre à un HP. On a que des strikes. Et ouais, bon bah là on n'a pas eu de chance, là c'est vraiment le Rising Rush, on a rien pu faire. Que des strikes sur le RR. C'est, non ça là c'est vraiment pas de chance par contre. C'est vraiment pas de chance. Oh non, j'ai du seum. Oh non, j'ai trop de seum. Oh non, on commence à tout relancer. Bon ça va, c'est pas non plus la fin. On s'en sort plutôt bien quand même, hein, malgré ce petit manque de chance. Et puis on va pouvoir dispel Goku, mais ça c'est Gucci's bam. Bah masse. Bon bah le jeu qui lag et qui m'empêche de dispel Goku, c'est génial. Non c'est super le jeu qui... Enfin les lags plutôt, parce que bon c'est des lags qui m'empêchent de jouer concrètement. C'est... Ouais c'est pas ouf par contre, bon. Pas la fin de la game. Alors, quoi, par contre, il fait pas si mal. Bon, il fait quand même mal, hein, mais ça va. Par contre, l'aspect. Alors, on a l'anti-malus, donc on va garder VB, donc on va pas mourir. Voilà. Si on n'avait pas eu l'anti-malus, honnêtement, on aurait pris un malus de quoi? De 15-20%. On serait mort, je pense. On serait clairement mort. Et oh, le screen. Oh, le screen de VB. Magnifique. Magnifique, en tout cas, les amis, pour cette deuxième game. On a pu voir la grande puissance, encore une fois, de Goku Blue Rouge. Goku Blue Rouge qui nous choque, hein, pendant ce showcase. Puis VB Bleu aussi, un VB Bleu très impressionnant. Vegeta Blue Violet
qui joue son rôle de support, mais à merveille. On va se retrouver tout de suite pour ce qui va être la dernière game, mais ce trio en tout cas est en train de faire du très beau taf. Allez, c'est parfait, je pense qu'on a trouvé notre match-up idéal pour terminer cette vidéo, et on tombera face à une Team Saiyan avec, en plus de ça, le nouveau Vegeta Ozaru. Alors, faut savoir par contre que dans cette game, VB est hyper avantagé. Un VB, vous le savez déjà, soit sur l'ultime, il annule la survie au KO, soit sur sa strike, hein, directement, il afflige un petit malus, hein, tout petit, en disant de 100% la quantité de PV régénérée. Donc bon, la survie au KO, elle n'existe pas. Je rappelle également que Goku Blue Rouge sur son main radio, c'est la quantité de PV régénérée. Bref, ça risque d'être très amusant. On part sur notre trio et on se retrouve in-game pour ce dernier. Introduction avec Vegeta Ultra. Toujours aussi beau gosse, hein, d'ailleurs, le Vegeta Ultra. Et c'est parti. Alors, faire attention. Ok, j'allais dire ça allait être la priorité à la carte verte de Vegeta. Mais bon, on va partir tranquillement. Alors, il a pris Goku vert, hein, en plus de ça en face. Donc, c'est plutôt symbolique. Hein. Ça montre deux unités des deux ans qui se battent. J'aime beaucoup. Parfait. Parfait. J'aurais pas pu espérer mieux, par contre. Un bon petit dispel sur l'entrée en scène de Goku Namek. On n'aurait pas pu espérer mieux. Alors, par contre, Goku vert, va falloir y faire attention. Voilà, genre sur ça. Alors il a que des strikes en main, hein. Je pense qu'il va s'attendre au break. Voilà. J'ai pas entendu de bruit de pas de côté, on va mine tranquille. Et puis on est plutôt bien. Oh, gros tampon face à par contre. Il sait qu'on a que des strikes. Et ouais, par contre, là on était sûr qu'il allait switch. Et ça va plutôt bien gratter. On va partir sur l'ami Vegeta Blue Violet. Le main qui tombe, on switch en VB, on récupère une carte. Donc... deux cartes. C'est ça qui est fumé en fait. Trois cartes. Et regardez comment on a extend à partir de rien du tout, hein. Je rappelle qu'à la base on avait quoi, une strike. On est parti sur un combo quasiment complet. C'est tellement fumé, n'empêche, le duo VB Vegeta Blue Violet. C'est bien joué, ça attend un petit peu. Et puis on va le surprendre ici. La carte verte. Je pense qu'il va pas de côté, hein. Ouh, mauvaise tempo de ma part ici. Alors on va laisser mourir, je pense, Vegeta Blue Violet, hein. C'est RR de toute manière. Mais à part s'il part sur l'ultime. S'il part sur l'ultime, on va mettre Goku Blue Rouge. Je préfère que Goku Blue Rouge se fasse gratter un max et qu'il revienne avec le max de PV grâce à Vegeta Violet. Hein. Plutôt que l'inverse. Qui va faire plutôt mal. Hein. J'ai l'impression qu'il a une verte dans la main par contre. Hein. Vraiment, depuis avant, j'ai l'impression qu'il a salement une carte verte. Bon, il a une SP maintenant, on le sait. Mais je pensais qu'il avait surtout une verte. Alors, pire timing que j'aurais pu avoir là, pas de chance. Faute à pas de chance. Ça, c'est problématique ça par contre. Je sais pas comment on va le dépop, hein, parce qu'il va pas bouger, hein, ça c'est sûr. Ok, parfait. Suffit de parler. Cover. Cover, hein. Ouh là là. Alors vous savez quoi, en vrai on va spammer. Hop là. On va spammer et je pense qu'on se le fait. Je pense qu'on se le fait contre type tranquille. Par contre VB. VB homme du match avec Vegeta Blue Violet, ça j'aime bien. Première game c'était Goku Blue Rouge, deuxième game c'était Goku Blue Rouge, là c'est VB qui fait la game. Le kill parce qu'il tape trop fort, hein, il y a trop de Twitch, là il tape trop fort. Il désintègre Goku vert à contre-type, aucune peine. L'aspect qui part, on recule. Et puis on garde le contrôle en vrai. Hein. On garde un bon petit contrôle sur la game, alors faudrait quand même garder une verte avec VB. Hein. C'est ce que je suis en train de chercher depuis avant, hein. Je vais pas l'utiliser cette verte, je vais vraiment la garder. Et il veut pas Rising Rush, hein. Vraiment il veut pas Rising Rush sur Vegeta. Je pense qu'il veut VB. Mais moi ça me va, hein, s'il essaie d'aller chercher le Rising Rush sur VB. Ok, alors c'est parti sur une SP. Parfait. Beaucoup trop clean, on est trop bien. Il prend le Rising Rush sur Vegeta Blue Violet. Et maintenant c'est grâce à Vegeta Blue Violet que VB va terminer la game. À part c'est au contre. On va attaquer, on a aucune pitié du coup. Et puis on Rising Rush, ça c'est parfait. Alors évidemment, on aurait préféré la situation où je montre VB en valeur. Mais s'il nous contre, on pourra toujours le mettre en valeur. Alors l'aspé. On le laisse à un HP et il nous contre pas. Bon, là par contre, il a pas eu de chance sur ce coup là. Ça arrive à tout le monde, malheureusement, le Rising Rush. Et là, là on est Gucci, hein, il reste VB. Déjà VB, qu'est-ce qui peut nous tuer? C'est pas Vegeta qui va nous tuer, même s'il fait mal. Et puis il va mourir tranquillement, Vegeta, même si on n'a pas de bonus strike. Alors par contre, VB, il est un peu léger, hein. Quand t'as pas de bonus strike, quand il n'y a pas un switch sur un perso strike, étant donné que Vegeta est Kikoa, vous voyez, on tape pas très fort, hein. Franchement, c'est ça le truc de VB. Qu'il a quand même ralenti au fil des mois,
et qu'il l'a rendu un peu moins fort. Parce que vraiment, il faut un personnage strike en face pour qu'il soit monstrueux. Hein. Si par exemple, il y a deux switch avec des personnages strike, il détruit tout le perso, comme bien sûr certaines games, on peut le voir. Bon, en tout cas, c'était très très clean. Et en tout cas, les amis, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette petite team future des 2 ans. Mais moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la ressortir. Sachez qu'aux 2 ans, en plus de ça, j'étais un grand fan de cette team. Hein. Je la spammais beaucoup. C'était la passion. Moi, j'adorais Goku Blue Rouge, VB, Vegeta Violet. C'était le trio de la passion cosmique. Je préférais large en plus Vegeta Violet, Agatha. Et c'était magnifique. En tout cas, on a pu voir un VB bleu qui a quand même un peu vieilli, hein, mais qui toujours un peu être un monstre. Hein. Et puis, si on team divine, par exemple, il est tout à fait jouable. Le perso, il est toujours aussi destructeur. C'est juste que là, en futur, c'est évidemment pas aussi optique qu'en divin. Il n'y a pas aussi autant de pivots et tout. Vegeta Blue Violet, pareil. Et surtout, Goku Blue Rouge, très très impressionnant. Hein. Toujours sur du jaune, ça peut totalement retourner une game. On l'a vu. C'était magnifique. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, les amis, pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur Dragon Ball Legends. Pour ma part, on va se laisser là. Et puis, franchement, n'hésitez pas à me donner également des teams dans les commentaires que vous voudriez que je showcase. C'était Riyad, en tout cas, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures sur Dragon Ball Legends. Ciao !